Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà faite, mais ça vous avait pas mal plu et vous m'aviez dit que vous étiez partant pour une partie 2. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais lire vos histoires paranormales que vous m'avez envoyées. La dernière vidéo était un peu longue, celle-là va être un peu plus courte parce que j'ai que 3 histoires à vous raconter. Je me suis pas spoilée, donc on va découvrir ça ensemble et je vous laisse avec la suite. Alors évidemment, tout va être anonyme parce que je sais pas si les personnes veulent forcément que je cite leur nom ou quoi, donc je préfère ne pas dire les noms et on va commencer avec la première histoire. Alors, c'était plein de petits événements qui me sont arrivés quand j'étais plus jeune après le décès de ma grand-mère vers 10-11 ans. Avant, j'étais dans la même chambre que ma sœur. Un matin, je me suis réveillée et j'entendais respirer très fort comme si c'était à côté de moi. Ça me paraissait bizarre et quand je me suis retournée, ma sœur n'était pas là. Par réflexe, j'ai coupé ma respiration et j'entendais toujours respirer. Quand je l'ai raconté, ma mère ne m'a pas cru. Donc ça c'est juste une petite anecdote qu'on m'a envoyée. Et effectivement, c'est vrai que ça arrive souvent que juste des fois l'entité soit là et juste ça se manifeste pas forcément. Mais juste, bah, elle est là et elle respire et elle fait du bruit pour vous montrer qu'elle est là. C'est tout. Mais des fois, il se passe pas grand-chose de plus. Deuxième anecdote, un soir, j'étais dans ma chambre et je dessinais. Ma famille était chez les voisins et j'ai entendu quelqu'un qui courait dans mes escaliers comme si elle montait très vite. Il faut savoir que mes escaliers grincent, donc je reconnais très bien le bruit. Donc je suis sortie en croyant que c'était un membre de ma famille qui était rentré. Et quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait aucune lumière. C'est là que j'ai compris que ma famille n'était toujours pas là et que du coup, personne n'avait monté les marches alors que j'avais entendu. Ouais, effectivement, c'est possible que du coup, chez toi, si à chaque fois ça se passe chez toi, c'est possible que chez toi, il y ait des gens qui étaient là avant et qui sont toujours là, mais qui sont plus là. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a eu un petit chien quelques temps après et plusieurs semaines et pendant plusieurs semaines il ne voulait pas rentrer dans la chambre et s'arrêtait devant la porte. Quand il a enfin osé rentrer, il a commencé à devenir bizarre. Il aboyait contre un des coins de ma chambre alors qu'il n'y avait rien. Il pleurait, grognait, il le faisait tous les jours. On a décidé de changer de place les meubles pour que le coin ne soit plus vide et que le chien arrête d'aboyer. Il a recommencé à avoir peur de rentrer dans la chambre, c'était impossible de le faire rentrer et depuis qu'on avait changé les meubles de place, on se sentait observé, on était gelé, on faisait des cauchemars, paralysie du sommeil, etc. Ma mère trouvait qu'il faisait trop chaud quand elle rentrait, elle se sentait pas bien tellement elle avait chaud. On avait une photo de ma grand-mère sur la cheminée et elle tombait souvent sans raison. On a dû changer plusieurs fois le cadre car il était souvent cassé. En même temps que ces événements se passaient, on pensait être victime de canulars aussi. Le téléphone sonnait et quand on décrochait, personne. Jusqu'ici, rien d'incroyable. Et après ça, a commencé à sonner chez nous, mais très tard. Mes parents en avaient marre et ils ont installé la sonnette avec les caméras. On s'est rendu compte que même quand ça sonnait, la caméra filmait personne. On a contacté la police et ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Entre-temps, ma mère nous a fait changer de chambre car on se plaignait trop et depuis c'est devenu un cagibi. Le soir, parfois l'alarme du bas se mettait en route alors qu'elle détecte seulement les mouvements. Le système d'alarme était relié à une caméra. Je mets entre gu... Ouais, c'était entre guillemets. Elle me dit, je mets entre guillemets car en vrai, elle ne filmait pas. Elle prend juste en photo quand elle détecte un mouvement et que l'alarme est activée. La caméra prenait des photos mais il n'y avait personne dessus, ça a duré environ un mois et quelques temps après on a changé de chambre, plus rien. Depuis on n'a jamais eu de choses étranges, peut-être à part le fait que mon chien soit mort dans le cagibi alors qu'il y allait rarement, donc c'était anciennement la chambre, mais il était malade donc rien ne prouve que c'était vraiment étrange. Ouais, pour ce qui est de l'histoire par rapport à ton chien, c'est vrai que les animaux ont tendance à... Je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, les animaux ont tendance à beaucoup plus ressentir ces choses-là que nous et même à les voir beaucoup plus que nous. Moi, je sais que j'en ai jamais vu, j'en ai déjà ressenti chez moi, mais j'en ai jamais vu, mais je sais que mon chat les voit.
Parce que des fois elle s'attarde sur un mur ou quoi alors qu'il n'y a rien du tout, des fois elle parle au mur alors qu'il n'y a rien du tout, enfin que moi je ne vois rien. Et ouais, ça arrive que certains animaux refusent carrément d'entrer dans une pièce qui est trop chargée en énergie, souvent négative, et ou alors qui réagissent vraiment très mal. Donc ça m'étonne pas du tout. Et en plus, par rapport au fait que vous ayez changé les meubles de place, ça c'est souvent un truc qui énerve les entités qui sont là depuis très longtemps, parce qu'en fait vous êtes chez eux. Vous êtes chez eux et bah, souvent ils ont pas envie que ça change, et donc changer les meubles de place, souvent ça les énerve pas mal et ça entraîne d'autres phénomènes paranormaux quoi. Mais c'était vraiment hyper intéressant. Bon, après tu me dis ouais, par rapport aux caméras et tout ça, effectivement ben, ça prouve bien qu'il n'y avait personne, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est assez étrange. Donc, on va passer à la deuxième histoire. Il me semble qu'il y en a plusieurs dans une seule. Enfin, bon, je vais vous lire, on verra bien. Du coup, pour la première histoire, je fais un petit disclaimer avant. Je n'ai aucune peur quelconque des clowns ou des poupées en porcelaine. Ce clown en porcelaine fait de la musique quand on le remonte avec une petite clé, et c'est une personne décédée au moment des faits qui me l'a offert. Du coup, je venais de me prendre la tête avec mon père. J'ai donc appelé ma mère en catastrophe parce que j'étais mal. J'explique à ma mère ce qu'il se passe et elle me dit: le problème qu'il y a entre toi et ton père, c'est que vous n'arrivez pas à communiquer. On est deux, t'inquiète. Au moment où elle me dit ça, mon clown auquel je n'avais pas touché depuis 2 ans, même pas pour la poussière, s'est mis à sonner 3 notes. Voilà, c'est la plus petite histoire pour commencer. Waouh! Alors, je sais pas si ce clown avait. Tu m'as dit t'avait été offert par une personne qui était décédée, mais du coup, je sais pas si cette personne avait un lien avec ton père. Je pense que oui, du coup. Et c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que ça a sonné. La seconde histoire m'est arrivée il y a peu. J'étais auxiliaire de vie. Je faisais le ménage chez un vieux monsieur. Au moment de nettoyer les chambres à l'étage, je commence à me sentir mal, mais genre vraiment. Puis j'arrive dans la chambre la plus au fond, sous les toits, et avec seulement une armoire, un lit et un fauteuil. Mes poils se sont hérissés, j'ai eu du mal à respirer, une angoisse terrible m'a pris. La seule fois où j'y suis retournée, je me suis excusée de venir déranger la personne que je soupçonnais être là, et bizarrement, je me suis sentie bien. Je pense réellement que quelqu'un était là et que je l'ai clairement dérangé. Ouais, c'est archi possible parce qu'en plus, c'était pas chez toi, t'étais venue chez quelqu'un. Donc bah, la personne qui était là, enfin l'entité qui était là, te connaissait pas, donc elle se dit mais qu'est-ce qu'elle fout chez moi celle-là, tu vois. Souvent ils réagissent pas très bien avec les inconnus, ils aiment pas trop ça, même si c'est pas forcément des entités qui sont malveillantes, parce que du coup ouais, comme tu me dis, après tu t'es revenu et tu t'es excusé d'avoir dérangé parce que c'était vraiment pas ton intention, et là tout de suite ça allait mieux parce qu'en fait souvent, oui, les entités qui sont là depuis longtemps, elles aiment pas, c'est comme pour l'histoire des meubles, elles aiment pas trop le changement, elles aiment pas trop les inconnus. Enfin, c'est. Voilà. Pour la troisième histoire, j'ai fait un rêve où j'apprenais le décès d'une dame que je considérais comme ma grand-mère de cœur, et je l'ai vue sous forme astrale dans un coin d'une pièce me dire au revoir et disparaître. Le matin même, j'ai appris qu'elle était décédée quelques mois auparavant. Waouh! Incroyable. Incroyable, bah c'était clairement. Elle était clairement revenue. Parce que du coup, elle devait savoir que toi, t'étais pas au courant. Et clairement, elle était venue bah, te prévenir et te dire au revoir, quoi. Je trouve ça archi mignon en vrai. Et pour la dernière histoire, dans mon parcours en tant qu'auxiliaire de vie, je m'occupais d'une dame très malade. Une fois, je suis allée vider les poubelles dans son garage et j'ai vu une ombre tout près de moi partir derrière la voiture de son mari. 2 ou 3 semaines après, vers 5h30 du matin, juste avant mon réveil, j'ai fait un rêve où j'arrivais chez eux et apprenais le décès de cette dame. Et dans mon rêve, une icône religieuse, entre parenthèses, elle m'a dit la Vierge Marie, est apparue sous une forme dont je n'ai aucun souvenir. Et il faut savoir que de base, je ne suis pas croyante. Le matin même, j'en parle à ma mère qui me dit que mon rêve n'était pas forcément bon. En arrivant chez ce couple, la dame venait d'être déclarée décédée à 5h28 du matin. Waouh! Bah, clairement, t'as un énorme potentiel avec les rêves. Ça m'étonnerait pas que t'aies déjà fait, à part ce que tu viens de me raconter, des rêves prémonitoires. Peut-être que tu t'en souviens pas.
Mais fais attention à tes rêves parce que clairement là, tu as quand même deux histoires en rapport avec ça. Et c'est vrai que souvent, c'est un moyen qu'ils utilisent pour communiquer avec nous. Donc vraiment, fais attention à tes rêves. Tu peux les noter dans un carnet vraiment dès que tu te réveilles parce qu'il suffit que tu te lèves et tu fais... Genre, tu vas boire un café et tu vas carrément oublier. Donc vraiment, avant même de te lever, tu vois, t'écris ton rêve. Et je pense qu'il y a vraiment un... Enfin, il y a vraiment un truc que tu peux aller creuser là-dedans. On passe maintenant au dernier témoignage. Alors voilà ma première histoire paranormale. J'étais en vacances chez mes grands-parents à la campagne. Ils ont construit un grand chalet avec des caravanes rattachées à lui, tout ça sur un énorme terrain en plein milieu de la campagne. Bref, c'était une nuit, je dormais avec mon petit frère et il faisait assez froid, donc on avait deux couvertures. Lui aussi frileux que moi avait pris ma couverture, donc bref, moi je... en demi-sommeil, mais clairement consciente, je lui ai repris ma couette pour ne plus avoir froid et essaye de me rendormir. Quelques minutes après, j'ai senti la couette bouger sur moi comme si quelqu'un me bordait. Elle a littéralement bougé, ça m'a d'ailleurs terrifiée, je bougeais plus du tout, c'était ni mon frère ni moi car lui dormait profondément. J'étais allongée sur le dos, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu une silhouette d'une femme, plutôt le visage d'une femme qui me regardait. C'était sous forme de voile blanc assez flou, mais également assez distinct pour que je puisse voir que c'était une femme, je dirais même une maman, assez apaisée et admirative. Elle nous dit, je l'ai ressenti comme ça. Malgré le fait que je ressente sa présence apaisée, j'ai eu très peur, j'ai donc refermé les yeux très vite et essayé de me rendormir. Le lendemain matin, par peur d'être folle, j'ai quand même demandé à ma belle-mère et ma grand-mère si c'était l'une d'elles qui m'avait bordée et toutes les deux m'ont répondu que non. À l'heure actuelle, j'en ai pas spécialement parlé autour de moi, car ni moi ni même ma famille ne sommes proches des énergies comme celle-ci. Cependant, je relativise en me disant que cet esprit était bienveillant à notre égard et qu'elle voulait sans doute juste prendre soin de nous. Waouh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Vraiment, ces histoires-là, à chaque fois, ça me touche. Je sais pas pourquoi, je trouve ça adorable. Les entités bienveillantes comme ça, un peu maternelles et tout, je trouve ça vraiment trop mignon. Du coup, ce que je peux... Enfin là, ce que j'ai tout de suite envie de te dire, c'est que l'endroit où a été construit, justement, tu m'as dit que c'était... ouais, un chalet avec des caravanes et tout ça. Cet endroit-là... Déjà, c'était à la campagne. Et cet endroit-là, il devait... À mon avis, il s'est passé des trucs... Tu vois, à cet endroit-là, peut-être qu'il y avait des habitations ou d'autres choses avant. Moi, là, l'idée qui me vient en tête, c'est peut-être qu'il y avait une famille, tu vois, et c'est une mère qui a peut-être perdu ses enfants. Vraiment, c'est ce que je ressens, là, je sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. Peut-être que je me trompe totalement, mais apparemment, t'as toujours pas la fin de cette histoire. Mais c'était clairement bienveillant, et c'était clairement, ouais... Moi, ce que je ressens là, je sais pas pourquoi je me sens autant connectée avec cette histoire. Ça me fait bizarre. Mais je pense que c'était quelqu'un, une femme qui avait dû perdre un de ses enfants ou ses enfants ou qui a malheureusement pas pu en avoir alors qu'elle en voulait ou quelque chose comme ça. Et ça arrive souvent, les histoires comme ça en vrai. Ça arrive souvent. Mais en tout cas, c'est rien d'inquiétant. Du coup voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à commenter vos histoires paranormales. Peut-être que je ferai une troisième vidéo, pourquoi pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Moi j'adore vraiment trop les vidéos comme ça. Ça me passionne. Enfin bon bref. N'hésitez pas à mettre un like, un pouce bleu, enfin bon bref, vous avez compris. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.